Coucou mon dimanche, j'espère que vous allez bien. Je trouve aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo que je suis de très 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 content de faire. Je vous souhaite à tous une très très bonne année. Et aujourd'hui je trouve cette nouvelle vidéo très drôle. Aujourd'hui ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais faire un changement capillaire. Et j'ai envie de me teindre les cheveux en noir. Parce que pour moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui pourrait bien m'aller. Et pourquoi je fais ça? Donc dans cette petite vidéo, je vais me teindre les cheveux noirs, j'en profite pour avoir raconté l'histoire de mes cheveux. Donc ça doit faire maintenant 4 ans que je me laisse pousser les cheveux. Et la toute première coloration que je m'étais faite, j'en ai fait 4 dans ma vie. Ça va être la 4ème et c'est la première fois que c'est noir. J'ai que eu les cheveux marrons et roux dans ma vie. Donc maintenant j'ai un résultat un peu roux sur les pointes et marron aux racines. Parce qu'en fait ce que je fais depuis maintenant presque un an, c'est que je me laisse pousser les racines. Parce que je voulais vraiment retrouver mon marron sur toute la surface. Mais j'ai pas pu résister. Aujourd'hui, je sais pas pourquoi j'ai envie de me teindre les cheveux noirs. Je pense que ça sera joli. Donc, j'ai trop envie de faire ça, je sais pas. Donc, toute première coloration que je m'étais faite, en fait, l'idée que j'avais eue, c'était de vouloir me faire un éclaircissement. Et à ce moment-là, c'est ma mère qui m'avait donné l'idée de me faire ma toute première couleur. Et moi, je me suis dit, ok, à ce moment-là, j'en avais pas grand-chose à faire, en fait. Et ce que je voulais, du coup, ce que je voulais que ça donne, c'était une sorte d'éclaircissement. Je sais pas ce que je voulais faire. Je voulais avoir la même couleur que mes cheveux naturels, mais en plus clair. Et je sais pas quelle coloration j'ai acheté, mais ça a fini par donner un roux. Donc le tout premier roux que j'ai fait, c'était par accident. Et à la suite de ça, ensuite, toutes les couleurs que je m'étais faites, c'était volontairement roux. Et donc après, roux, c'était ma couleur iconique. Mais j'ai fini par arrêter, je voulais juste retrouver mes cheveux marron naturel. Même, ils étaient pas du tout niqués, hein, je prends très soin de mes cheveux et tout, mais je voulais juste... Mais voilà, aujourd'hui, je vais faire de la merde, je vais les rendre noirs. Si vous êtes prêts à voir ce changement, et ben je le suis aussi, je suis trop excitée, donc je vous laisse avec la suite. Let's go! Je souhaite de cette année d'être la meilleure possible pour vous. Et I'm loving you. On dirait de la merde. Oui. Y'a pas. Ok, so here we go. You're un petit peu trop bonne, notre tête. Il faut réparer. Là. J'ai la tête en arrière parce que vraiment c'est ça. On s'en fout que ça se met sur les cheveux lisses. Ouais, on s'en fout, moi j'ai fait mon coloration sur les cheveux lisses. Ok. Au secours. T'es très serein de me faire confiance quand même. T'as un trou dans les cheveux. C'est vrai, mais. Un trou capillaire. Un trou chevelaire. J'essaye de faire comme ma sœur. Et oui. J'ai failli être coiffeur, mais tu es plus forte que moi. Allez, je t'ai demandé de te mettre comme il faut. Non mais je parlais à tes cheveux. Ah. Je crois que je vais avoir un flacon pour tes racines. Non, je sais pas. Un flacon pour tes racines et l'autre pour les cheveux, pour la longueur. T'es quand même très serein de me faire confiance. Ouais, je suis en train de me dire que quand j'aurai les cheveux tout noirs et que mes racines vont repousser plus clair, ça va être bizarre. Rabo. J'ai les cheveux marron et orange, tu veux quoi? Ouais, non mais toi c'est dans le sens de plus foncé à plus clair. Moi ce sera plus clair à plus foncé. C'est rien, c'est la rue. Apparemment, ça commence à faire un mélange gris. Je ne suis pas rassurée. Et ce rire ne me rassure plus, plus moins. Ok. Je vais avoir les cheveux gris. Toute la France qui va me juger devant mon fail capillaire. Ouais, parce que si c'est un fail, c'est ta faute. Hein. Oh my god, la partie est excitante. Mais lève la tête, s'il te plaît. Ça devient violet. Oh. Ce n'était pas très prévu. J'ai failli te lever la tête, mais je veux pas te toucher. Genre, bref, lève la tête. Bah vu que ma première couleur ça devait être marron clair, ça se trouve, je voulais faire marron clair et c'est devenu roux, donc là je vais faire noir et ça va être violet. Tranquille frère. Oui. On fait une teinture, ça tourne mal, scandale, no fake. Explication. Franchement si ma mère a su le faire, je peux le faire. C'est pas très gentil pour ta mère ça. Après du noir ça va, ça fait un peu moins con que si j'étais en train de te décolorer les cheveux là, c'est pas... Je peux pas faire d'erreur avec du noir. Bon, je rigole si, à part si tu me tâches toute la gueule. Les gens qui font comme ça, là, vous êtes chelous. Comment? Avec les doigts. C'est mieux avec les doigts, je crois. T'as des baby showers, ça me casse les couilles. Des baby showers, des baby J'ai des baby douches. J'ai des baby douches. Ouais. C'est quand j'étais une fois en 6ème, j'avais les cheveux mi-longs. Je m'étais fait une queue, une mini queue avec les mini cheveux que j'avais, du cheval. Il y avait une grosse mèche qui dépassait et j'ai tout coupé d'un coup. C'était la plus truc stupide de ma vie. Oui, t'as un peu con. Oui, parce que du coup, j'ai toujours à ce jour des cheveux qui poussent plus à ce moment-là. C'était. Faut jamais couper les cheveux devant. Ouais. Ouais. Je trouve ça.
répondre parce que... Est-ce que t'as peur si... Est-ce que ça te fait peur quand le fait que je me répète à dire t'es vraiment très serein de me faire confiance? Ouais, je force un peu avec ça, je rigole. Non mais ça devrait te faire peur genre. Pourquoi? Parce que si je dis ça, c'est que j'ai vraiment très peur de me rater. On a attendu le 1er janvier pour faire une connerie. Première connerie de janvier. Première connerie du jour. Se faire colorer les cheveux par une meuf qui ne sait pas, qui n'est pas du tout une pro genre. Bah après les gens qui font des colorations dans le supermarché, c'est bon. Comment te dire que j'ai grandi avec une coiffeuse, donc bon, ça devrait. Enfin genre si moi je me rate alors que des gens qui sont novices comme jamais y arrivent, oui. Je me foutrais très fortement en l'air. J'en ai un tout petit mini peu sur la gueule. Ce que je vais faire à présent c'est nettoyer tout cela. Mais comme on peut voir, je suis. C'est trop bizarre. J'ai trop hâte de voir le résultat. J'ai l'impression que ça fait galaxie, ça fait rouge, c'est trop drôle. Let's go, voilà le résultat, moi je vais me nettoyer la gueule, ainsi que nettoyer le sol, il y en a plein par terre. Ok. Et comment je me mets? Ça là, tu le mets là, ton torse, voilà. On dégobille pas toute ta race. Ça m'arrange. Oh pardon. Bonjour les gens, oh. Ah, et tu m'as mangé ça. Allez hop, je me mets sur toi. Ok. Et hop. Oh, un bain de merde. Oh my god. Un bain de merde. Ah, j'ai bouffé. Oh my god, ah bah heureusement que c'est pas fait. Tu me dis si c'est trop chaud. Non, c'est bon. C'est ultra chaud. Ouais, c'est chaud. C'est chaud, si vous voulez. C'est normal, il y en a un autre qui part. Hein? C'est normal qu'il y en a un autre qui part. Bah ouais, j'en ai mis pas mal de la coloration quand même. Ouais. Merde, j'ai pas pris soin. Voilà. Ça brûle. Ah bon? Pour me dire. Bah, je l'ai dit. J'ai essayé à dire est-ce que je souffre ou est-ce que je le dis. Pardon. Wesh, t'as des cheveux violets genre. Sound bright like a diamond. Sound bright like a diamond. Dans la gueule. Je vais te faire les yeux. Je vais chercher le soin. Ok. Hop là. C'était une grosse vague de... On dirait rien. Petit soin. Il a pas serré ça comme ça. J'ai mal au dos, c'est une horreur. Je suis en train de le... violer. Coloré. Allez, un peu les... Genre, c'est bon, c'est bien. Genre, j'ai marre d'être petite. Ça choque pas du tout. Bah, en même temps, faut attendre. C'est la couleur de mes cheveux quand ils sont mouillés vu que... Vas-y, mets-toi à genoux. C'est agréable ça. Oui. Mais sois gentil. Je suis gentil, regarde. Regarde. On peut enlever cette merde. Est-ce que tu vas aimer? Oui. Et toi, est-ce que tu vas aimer? Peut-être. Non. Ah mais il coule par terre. Non, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il filmait. Si, je filme. Non, tu filmes pas. Bah si. Dans ta tête ça fait The Grudge. Ah non. The Ring. Mais non, essaye de mettre tes cheveux devant toi. Hey les amis, du coup je vous retrouve le jour d'après. Je vous retrouve à peu près 24 heures après, je sais pas trop, ça doit faire dans les 30 heures après. Je voulais vous retrouver le jour d'après pour faire un petit débrief et pour voir si ça avait changé comparé au jour même où je l'ai fait. Je sais pas, peut-être que ça aurait donné quelque chose ou peut-être le résultat final ça l'aurait donné genre le lendemain. Du coup voilà, pour moi perso j'adore le résultat franchement, j'aime bien le noir, je savais pas trop s'ils allaient aimer ça sur moi finalement, j'aime bien. Mais je pense qu'après ça, enfin je vais laisser ma couleur de cheveux naturelle repousser et je reteindrai pas en noir. Parce que je trouve que ça va pas trop avec ma tête, enfin je veux un peu que ma tête soit un peu cute, du coup cette couleur va pas forcément trop. Mais c'est pas du tout pour me déplaire après. Après c'est sûr que vu que je déteste ma tête, j'arrive pas trop à avoir un avis, mais vous n'hésitez pas à me dire si vous de monsieur petit noir sans mes cheveux. Voilà, je trouve ça cute, j'ai l'impression que je suis la merde, enfin la mère, je sais pas qui c'est, mais la meuf là dans Réponse la vilaine. Du coup voilà les amis, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, je vous souhaite encore une très très bonne année parce que ça va être ma toute première vidéo sur ma chaîne cette année. Et donc je vous dis à très bientôt, merci beaucoup d'être là, qu'est-ce que vous voir. Et je vous fais plein de gros bisous et à plus et à plus tard. J'ai pas fait.